cette force, ce courage dont tu as peut-être besoin aujourd'hui pour peut-être une journée difficile qui s'annonce, ou une séance de sport, ou une compétition carrément. On a parfois besoin de ce guerrier et d'oser le laisser vivre, d'oser le réveiller, l'éveiller en nous, pour qu'il nous accompagne quand on en a besoin. Tu peux faire cette séance assis, couché, debout, en marchant, peu importe. Ce qui compte, c'est de te laisser habiter par le son du tambour pour rentrer dans la vibration, rentrer dans la transe que crée ce tambour. Laisse pénétrer les sons dans tes oreilles, dans tes cellules, dans ton corps, pour te relier à la terre. Tu peux peut-être sentir à quel point tes pieds se reconnectent à la terre-mère, à l'énergie, l'énergie du vivant, l'énergie tribale en toi. Tu sens à quel point le son cette ouverture de tes pieds qui s'agrippe au sol, qui te connecte à la terre-mère, mais aussi cette ouverture de ton bassin, de ton ventre, de tes tripes, qui se connecte, qui est lourd. Tu ressens cette connexion entre ciel et terre. Tu es lourd en bas et léger au niveau de la tête, léger, fluide au niveau de la tête. Fort, puissant en bas, dans tes jambes, dans ton bassin. La réserve d'énergie se situe là, dans tes jambes. En haut, c'est l'agilité, en haut, c'est la fluidité. En bas, c'est la puissance. Et tu sens comme un tube d'énergie qui te traverse, qui descend depuis le ciel, qui passe par le centre de ta poitrine, et qui te connecte à la terre.